Alors que les trois principaux accusés de l'assassinat de Thomas Sankara ont été condamnés à la prison à vie par la justice burkinabé, une question se pose. L'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014, il a obtenu la nationalité ivoirienne. Si ce n'est pas une parodie de justice qu'on veut, alors l'État doit mettre tous les moyens en œuvre. En respectant les droits des personnes condamnées, nous insistons sur cela, pour que cette décision soit exécutée. Nous avons la possibilité de faire actionner à nouveau la justice sur ce point-là. Donc, il va s'agir pour nous, le collectif d'avocats, de concert avec les familles. S'il faut aller sur ce terrain, eh bien, nous irons jusqu'au bout. L'autre principal accusé, Hyacinthe Kafondo, lui aussi en exil, n'est pas naturalisé ivoirien et pourrait être extradé. Les avocats espèrent une coopération sur ce point entre les États ivoiriens et burkinabés.